Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 17 janvier 2024, 10h03, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Je vous ai parlé hier de cette mutation, de cette folle idée que des scientifiques chinois ont eu de trafiquer, jouer avec un virus extrêmement virulent, une espèce de souche d'un coronavirus qui attaque le cerveau et a un taux de mortalité de 100% chez les souris. Et on admet qu'il y a un risque pour les humains. Les dirigeants du monde se réunissent pour élaborer un plan de protection contre la maladie X. Ça, c'est une autre affaire. 15 janvier, imaginez-vous, les dirigeants du monde se réunissent à Davos pour élaborer un plan de protection contre la maladie X, une hypothétique pandémie qui pourrait tuer 20 fois plus de personnes que la COVID-19 qu'on a vécue. Les dirigeants mondiaux devraient se réunir cette semaine pour exprimer leur inquiétude quant au potentiel d'une future pandémie qui pourrait causer 20 fois plus de décès que la dernière pandémie qu'on a vécue. Un panel dirigé par le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dont tout le monde se rappelle, hein, débattra des nouveaux efforts nécessaires pour préparer les systèmes de santé aux multiples défis à venir lors d'une session intitulée « Se préparer à la maladie X ». Vraiment. Au Forum économique mondial de Davos en Suisse. La maladie X représente un pathogène hypothétique et actuellement inconnue. Puis elle a été ajoutée à la liste des 9 maladies prioritaires de l'OMS, puis c'est une maladie qui n'existe pas. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Se préparer à la maladie X. Wow! Le fameux chef de l'Organisation mondiale de la santé sera rejoint mercredi par Michel Demaré, président du conseil d'administration du géant pharmaceutique AstraZeneca. La ministre brésilienne de la Santé, le PDG de Royal Philips, Roy Jacobs, la vice-présidente exécutive de la chaîne d'hôpitaux indienne Apollo, Prita Reddy, et Sayam Bishen, chef du centre de soins de santé et membre du comité exécutif du Forum économique mondial. Dans sa liste des maladies prioritaires, l'OMS a déclaré « La maladie X représente la connaissance d'une grave épidémie internationale qui pourrait être provoquée par un agent pathogène actuellement inconnu comme pouvant causer une maladie humaine. » Wow! Puis le lien que je vous ai partagé hier de ces expériences complètement hallucinantes. Puis pendant ce temps-là, au Congrès américain, on a passé puis élaboré un projet de loi appelé Disease X Act en juin de l'année dernière, 2023. Et Strange Sound se demande pourquoi le Congrès américain est-il impliqué dans l'élaboration d'un projet de loi appelé Disease X Act en juin 2023. Pourquoi cela est-il totalement passé sous le radar? Et on le voit ici, le lien qui vient du Congrès américain et ce projet de loi-là qui a été représenté par ou introduit par le représentant Trahan Laurie, démocrate du Massachusetts, je pense, dans le comité de l'énergie et du commerce. Et c'est aussi le 6 juin ou le 9 juin 2023 que c'était référé au comité de la santé. La maladie X est la contagion mystérieuse sur laquelle le Forum économique mondial se réunira le 17 janvier, donc aujourd'hui, et qui, selon eux, pourrait faire 20 fois plus de décès que la dernière pandémie. Les origines de la maladie X remontent à 2018 dans un article du Forum économique mondial. Ça a l'air d'être une coïncidence.
Wow! Vraiment très, très, très inquiétant tout ça. Je voulais vous partager ça parce que j'ai fait d'autres petites recherches puis je suis arrivé à ça, là. Wow! Qu'est-ce qui nous attend ou pas au bout du nez, là? C'est. Moi, je comprends plus rien. Mais en tout cas, je vous laisse ça dans la boîte de description.